Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Cyberpunk 2077 pour ce nouvel épisode. Alors, on voulait continuer à faire un petit peu les quêtes secondaires. Hein. Alors, le contrat, allez voir oui. Wakako pour obtenir votre récompense. Ah bah tiens, oui, bah ça m'intéresse ça. Tac. Donc on venait de finir une mission, une petite mission secondaire. Oh, c'est loin, 1,6 km. Eh bah. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ah. Loud and clear, you don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shooting, prizes and all. You know, over here with the range. Yeah, that it makes sense. Ok, bon, ça ce sera plus tard. Hein. Well, you in? Un concours, c'est pas vraiment I toujours. I think big parties are your thing. Yeah, well, ain't a big one, but you know, running low on heads, gotta bring in the clients. Could try selling iron straight from the factory. Skip the whole part where you tinker for hours on each little shooter. Think. My dignity, please. Allez, carrément. Sure. I'm in. Au moins, j'ai la mission. Well, right now. We'll wait on you. See ya. Bon, voilà. On a la mission qui est enregistrée. On la fera plus tard. Eh, vous remarquez que pour l'instant, je n'ai pas fait quasiment pas d'erreur de conduite. Je suis assez fier de moi, là. Je dois avouer que... Oh! Ah, non. Excusez-moi, j'étais distrait. Donc là, voilà l'erreur de conduite. C'est quand même beau, hein. Enfin, beau, je sais pas si beau c'est le terme, mais c'est bien fait quoi. Regardez-moi ça. Ah, hop. Bibi, it's been a long time. Kaku Okada, the lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend. Ok. Alors. Et je te rappelle qu'il ne vaut mieux pas perdre de temps, je suis réputé pour ne pas être très patient. Oui, bah j'arrive, ça va, allez. On se calme. Donc ça, c'était la quête de prologue, je crois. Quand on était allé sauver... une personne. Ah. Voilà, what? Ce qu'elle m'a mis dans la... Ok. Eh ben, je m'attendais pas à ce que ça tire autant. Je prends très très cher, je prends très très cher. Pourquoi est-ce que je prends aussi cher? Pourquoi est-ce que je suis mort? D'où je suis mort? Il n'y avait personne à côté de moi. Bon, allez, on recharge directement. Peut-être prendre une autre arme cette fois-ci. Hein, ce sera peut-être pas mal. Ok, et là. Exchanging fire! Et de deux. Comment ça je... Vache. T'as fort, hein?
Ah mais merde, c'était un policier ça. Ok, je suis dans la merde. Bon bah je vais encore mourir hein, parce que là, ça sert à rien. Mais à quel moment j'ai tiré sur un policier? Bon, allez, on reprend. Décidément, hein, ça commence fort cet épisode. Ça commence très très fort. Allez, cette fois-ci, on va y aller avec un petit peu plus de discrétion, on va dire. Mais d'où? Mais comment ça, crime signalé? À quel moment les flics ils me font chier là-dessus? Bon, on va recharger directement. Excusez-moi, deux secondes. Ok, là ça devrait être bon. Ok. Et d'un. Comment ça, NCPD, mandat d'arrêt ennemi? Mais... pourquoi? Pourquoi les pandas d'arrêt ennemi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui d'accord, je tire sur des gens en pleine rue, mais ça c'est pas un souci normalement. C'est les criminels, j'ai le droit. Bon. Ah, attendez, je vais peut-être scanner un petit peu. Alors, tenez. Non, c'est Tiger Claws, ok. Tiger Claws. Ok, donc je l'ai marqué, c'est bon. Alors, il est où le troisième? Allez, bon, cette fois-ci, on essaye. Voilà, grenade. Ils sont où? Il y en a un qui est là. Ok, ça se passe bien pour l'instant, j'ai pas encore de mandat d'arrêt sur ma gueule. Très bien. Alors ça c'est quoi? Ok, ça c'est le Tiger Claws que j'ai vu tout à l'heure. Ok. A priori, il en reste encore un. Je le vois pas. Je ne le vois pas. Il est là-bas. Encore un Tiger Claws. Donc pour l'instant on est d'accord, j'ai pas tiré sur un seul flic, hein. Alors venez pas me faire chier. Avec vos mandats d'arrêt. Voilà. Non mais oh. Quand même.
Ah, il y en a encore un. Vraiment, il y en a encore un. Oui. Ok, très bien. Eh bah quand même. C'est pas dommage. Aiguille de tatouage. Allez. Bon. Hop. Voilà, on prend ça, on récupère tout le loot. Ah, j'ai trop de choses. Bon, c'est pas grave, je suis juste à côté. Ah non, je suis pas juste à côté d'un truc à vendre. Merde. Bon. Des euros dollars, ça je prends. Alors quoi d'autre? Des euros dollars encore. Ici. Encore des munitions. Des euros dollars, très bien. Euros dollars. C'est tout? Un bottillon, des bottillons, ok. Un Edge Runner. Alors il me dit quoi? C'est quoi c'est ce que je viens de récupérer? Alors j'y suis, le barman a dit que le Maelstrom l'a menacé, il a pas eu le choix. Il dit qu'ils ont débarqué, ils lui ont demandé à boire, il pouvait pas refuser. Ouais bah il aurait pu appeler, c'est notre territoire. Il dit qu'il pouvait pas, il avait peur. Mais il avait pas peur de nous par contre? Il dit qu'il leur a rien dit. Encore heureux, il sait que dalle, comment il aurait fait? On le laisse partir du coup, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? C'est notre territoire, putain, il aurait dû appeler, au lieu de faire la teuf, foulu une raclée, pour qu'il imprime le concept. Ah, d'accord. Bon. On est sur, encore une fois, sur des gens fort sympathiques. Hein. Des euros dollars, très bien. Ah, bah si, super, ici, il y a quelque chose. Il y a un truc pour vendre ici, très bien. Alors, on va quand même d'abord avancer, s'équiper. Alors, en pistolet, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? J'ai un fusil à pompe qui est mieux, mais c'est tout. En fusil d'assaut, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Le fusil à pompe, mais c'est pas non plus... Alors ici, 47 points d'armure, ouais c'est pas mal. Ok, pourquoi pas. Ça, j'ai rien. Ça, j'ai rien de mieux non plus. Ça, 40 points d'armure. Allez, on va dire que c'est ok. Même si c'est pas, je suis pas super fan, mais on va dire que c'est ok. Là, j'ai rien. Oh là, c'est dégueulasse, ça, monsieur. Ah, ça, c'est pas mal, par contre, les bottes tactiques, why not. Très bien. Et bah du coup j'ai fait le tour. Alors excusez-moi, je me remouche, je suis désolé. De toute façon normalement les sons de mouchoir, vous ne les entendrez pas, je les couperai au montage. Je suis vraiment désolé. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était personnage. Ouais, j'ai un point d'avantage. En athlétisme, qu'est-ce que j'ai? Augmente votre charge limite, la santé se régénère lentement en combat. Ah, ça c'est pas dégueu. Augmente votre santé maximale de 10%, endurance maximale... j'ai jamais eu de soucis d'endurance. La santé qui se régénère lentement en combat, je dis pas non. Et donc là, du coup, on va pouvoir vendre. Alors. Donc celui-là, je le garde pour l'instant. Hein. Alors, fusil d'assaut, par contre, ça je vends. Ça je vends, ça je vends, ça je garde. Vends, je vends, je vends. Bah, tout le reste je vends. Ok. Au niveau de mes armes de corps à corps. Ah tiens, ça c'est mieux que ce que j'ai. Bon bah je l'équiperai tout à l'heure. Après tout, après ça pèse pas très lourd. Donc, on vend ça. Allez, je vends tout.
Attendez, parce que j'ai vendu la combinaison Hazmat. Ça, je vais la racheter parce que je veux pas la vendre. Ça peut toujours servir. Et ici, c'est tout. On va vendre la camelote. Pour 2300, ouais, je confirme. Et on a 21 000. Eh, c'est pas dégueu, hein. Ici, ouais, j'ai quand même beaucoup de bordel, hein. Booster d'endurance, booster de santé, sursaut de mémoire vive. Allez. Vendre l'alcool. Café, café au lait, café latte. Ça, c'est de l'alcool. Ça, par contre. Bon. Tac, 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 tac. De la conine. Bon, de toute façon, ça pèse rien, donc on peut s'en foutre, en fait. Allez, hop. Maintenant, on va essayer de retrouver Wakako. Ah, c'est joli, hein. Ça donne vraiment l'impression d'être dans une ville, je trouve. Et c'est quand même vachement agréable. Bon, je suis loin d'elle ou pas? Là, c'est pas que je commence à. Oh, du Maxdoc. Oui, je prends, bien sûr. Ah, voilà, on y est presque. C'est quoi ça? C'est quoi le truc avec le baiser? Ah, excusez-moi, 2 secondes, je suis vraiment désolé. Apparemment, c'est un. Madame, vous avez oublié de vous animer. What do you want, Fred? Alors, journal intime d'une prostituée de Watson. Un putain de monde à la con, je suis enfin sélectionné pour passer dans l'émission. Ah, ça, j'avais vu. J'avais déjà lu ça. Alors, ça aussi, du coup, j'ai lu. C'est la même. Oui, non, sous la bannière étoilée, ça, je m'en fiche un peu. Monsieur, bonjour. Non, ça c'est verrouillé. Are you from here? Il se passe des choses là-dedans. Yeah, I was born in this exact spot. I mean, Night City. Maybe you and I go get some. Do you know each other? Non, on se connaît pas, mais ça pourrait venir. Oui, donc c'est ça, c'est une maison close, hein, ça. Oh non, rien ici. Mais on peut rien faire, en fait, ici? Une recommandation, peut-être? D'accord. What? Il se passe quoi? Il se passe quoi? What now? Bah, je sais pas, je veux discuter. Aren't you cold? Bon. Bah, on y va alors. Je comprends pas trop l'intérêt. Ah, d'accord. Voilà. Personne n'a remarqué qu'il. Bah, il y a un fantôme ici. Non, bah non, 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 désolé. Je ne suis pas intéressé dans les mecs. Well, don't you look delicious. Come here and let me have a lick. Vous êtes un hologramme, madame, je ne peux rien vous faire.
Show me what those hands can do. No. No other way to live. Non, bah non. Non, bah non. C'était pas ce que je voulais. Allez. J'avais pas forcément envie de faire ça, en fait. Bon, je sais pas s'ils vont montrer en fonction, je couperai peut-être. Ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, d'accord. Bon. C'est bon? Merci. Et je crois que je vais avoir besoin de prendre une douche. D'accord, donc effectivement, c'était bien une prostituée, mais pas le genre... Je peux manger? See for yourself. Ah, mais t'es un mec, en fait. Ok, oui, donc c'est juste de la bouffe. Vous avez de la vraie viande? Got any real meat back there? You mean... from animals? Don't be ridiculous. D'accord. Ah, c'est le choc. D'accord. Oh, donc on est dans le quartier chaud là en fait, hein. Clairement. C'est quoi ça? Non, merci, c'est bon. J'ai pas envie d'acheter de la drogue. Ok, donc ça c'est le. Ok, oui, donc effectivement c'est un sex shop. C'est un sex shop. Relativement impressionnant. Ah oui, ça. Ça, c'est du beau gomme, madame. Plus tard. Ah oui, d'accord, oui. Les petits picots, là, c'est pour faire comme avec les chats? Enfin, comme les chats plutôt que comme avec. Sinon, la texture. D'accord, donc des faux seins. Qu'est-ce que t'as? Got anything that might interest me? Alors, vraie question. À quoi ça sert? Certifié par les plombiers. Excusez-moi. Pour avoir le plaisir de faire respecter la loi, ok? Tout le monde d'abord, premier arrêt, pic de la prostate, ok? Placez-y tout votre amour. Qui a besoin de safe word? Oui, effectivement. C'est drôle, hein? Contenu bonus, incompatible avec votre logiciel. Excusez-moi, de nouveau, je me suis mouché. À fond de 6, comptez destructeur conquéreur 9000. Réplix, rêve humide. Sonate des épicuriens, visite nocturne. Attendez, je vais juste en prendre un. Et je vais voir si je peux l'utiliser. Inventaire. Inventaire. Dans le sac. Non, grenade, consommable. Consommable, est-ce que... Je le vois là-dedans, non. Accessoires et modules. Bah, c'est où alors? C'est où? Où est le truc que je viens d'acheter, s'il vous plaît? Bon, déjà, on va pouvoir... Oui, j'ai mangé de la nourriture pour chat, d'accord. Et du jus de cactus. Très bien. Oui, donc en attendant, je ne trouve pas ce que je viens d'acheter. Yep. Inventaire. Sac. Ah, matériel cyber peut-être, non? Non plus. Attendez, par contre, juste matériel cyber, est-ce que j'ai quelque chose d'autre ici? Ah oui, d'accord, oui, c'est pour... ok, c'est mes implants pour... Bon, bref, on va pas y rester 3 jours, hein. Ça ne reste qu'un sex shop. Ah, madame, bonjour.
Bon, on va quand même... You're looking for some company tonight? Ah, well, tu as... You found it, baby. Ah, me tente pas. We go somewhere, or is this a dark alley type of party? I ain't no scuzz-ass slut. I got my own place. D'accord. Bon, écoute, il n'y a pas de raison. Hein. On a fait avec un mec, on peut bien le faire avec une fille. Come on, baby. Ouais, donc c'est quasiment la même chose. Ouais, donc petite lap dance. Ok. Alors ça, par contre, ce autant de boobs sur YouTube, je suis pas sûr que ça passe. Autant la dernière fois, bah, c'était en sauvant, elle était à poil dans la baignoire, donc on n'y pouvait pas grand-chose. Là, je suis pas sûr. Allez, on se casse. Il serait temps qu'on avance, ouais. Parce que là, ça va faire un quart d'heure qu'on est chez les putes. Got something that'll keep you hard for hours. Ok. Donc, du coup... Ah oui, elle était là. Par contre, attendez, juste un truc. Ah oui, non, ça c'est les vendeurs, ok. Donc, non, je suis pas, c'est pas par là que je vais. Excusez-moi. C'est là que je vais. Bonjour. Alors, ah, du pachinko. Est-ce qu'on peut jouer au pachinko? Mais je veux jouer au pachinko, moi. S'il vous plaît. Non, je peux pas jouer au pachinko. C'est naze. Well, who do I spy but V in my humble parlor, no less. Wakako, long time no see. So what brings you here? Alors, parle-moi de Westbrook. Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husband's knew Westbrook. Yes, each of them. Very high in the tiger claws. Ruled Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull. Sold sex and black market tech. T'as eu combien de maris déjà? I can't help asking. How many of those husbands did you have? 5. All went before the time. Terrible family tragedy. Ouais, t'as l'air complètement... You're not afraid that tragedy will strike you? Complètement dévasté. Hein. Have to live somehow. For my 9 sons. Ah oui, quand même. We have some outstanding biz to sell. Remember Sandra Dorset? I don't forget such things, V. J'attends mes édits, du coup. Here is your reward. It comes with a fairly ample bonus. Alors. Go see a Ripper Doc. They'll weave you a dermal imprint that will enable smart gun compatibility. A tiger. Ah, alors ça, je veux bien. Allez, on se casse et du coup on va voir un Reaper Doc. Un Charcu Doc. Oh, et laissez-moi passer s'il vous plaît. Messieurs, dames, pardon. Bah, tu fous quoi ici toi? Kinyu, tu fais quoi là? Johnny? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin! Ok, donc là, on passe par là. Ah, c'est 1,8 km. Y'a pas plus proche? Un charcut doc plus proche? Si, là. Ah, le Cassius Rider. Ah, c'est... Faut que je prenne... C'est pas n'importe quel... Non, bah, du coup, on va appeler la voiture. Allez, c'est parti. Mais c'est un tas de boue, je me traîne. Je préférais la voiture que j'avais volée au Tiger Claw. Hein. Non, c'était au Maelstrom. Mais petit à petit, j'ai l'impression que je commence à quand même à mieux maîtriser. Quoi, qu'est-ce que tu veux, Tekimoureux? Oui, bah.
I have established a contact with an old friend from Arasaka. D'accord, he's intéressant. He's in Night City now. He's well connected to Suto, influential people. Old hey, vas-y, dis-moi tout. Well connected to the influential. Why so mysterious? Get to the point. I told you once I'd explore options, knock on many doors. There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at Kopiki Plaza. I have little hope that he will be convinced. But it will be a start. Hey, non, c'est... On peut lui faire confiance? Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Many times we have had the opportunity to kill one man. Yes, I trust him. Oui, alors, le fait qu'il ne t'ait pas tué ne veut pas forcément dire que tu peux lui faire confiance. Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Ah ben merde, j'ai répété la même chose, désolé. Yes, I trust him. Fine, where's the meet and when? Japan Town, after sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. Ok, oui bon écoutez, on verra ça plus tard. Donc on n'est plus très très loin. Alors. All NCPD subcons, APB out for suspect accused of organized crime activity near Ross Street and Shipyard Way. Scavengers led by Yelena Sidorova, presumed armed and dangerous, have assaulted multiple homeless persons. Night City officials are offering a reward for neutralizing the threat. Ok, très bien. Eh ben, c'est parti. Alors, attendez, d'abord, on va les marquer. Ok. Et lui, marque aussi. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par lui. Ok, et d'un... Et de 3. Non. Ok. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Ok, très bien. Allez. Très bien, parfait. Bon, ça s'est bien passé, hein. Joseph Hale, une machette, une grenade, un tomahawk, un petit flingue, carnage. Hey, Maelstrom's got a cyber psycho problem. Document, ça, c'est bien. I want him alive, so really try here. And be careful. Maelstromers are crazy, psychosis or not. Rituel sanglant. Allez, d'abord je vais récupérer ça, on verra après. What? Il se passe quoi dans le coin? Bon. Duck Rider. 75 ans d'implant cybernétique, ça on a vu. Y'a rien d'intéressant ici. Toi, Duck Rider? Non, apparemment pas. Yep. Ah, ici. Ça y est, ça fait. How's biz treating you, Cassius? Lately, can't complain. Maxtac raided a black clinic not long past. Since then, custom accounts gone up, and so my prices. Coincidence? You decide. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Let's see what's good. Take your pick.
Alors, du coup, cortex frontal, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, c'est encore ultra cher, hein. Système sanguin. Condition non remplie, 10 en constitution, d'accord. Alors là, par contre, je peux. C'est... Augmente le temps de piratage, non. Augmente la régénération de santé de 1 point par seconde hors combat, mouais. Libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 20% de la santé maximale de l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15%. Éventuellement, ça peut être pas mal. Pour 1500, franchement, ça peut le faire. Alors, système immunitaire. Après avoir subi des dégâts, 2% de chance de libérer un puissant choc électrique infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Oh, why not? Ça peut être pas mal aussi. Ici, système nerveux. Augmente l'esquive de 6%, pourquoi pas. Vous permet de viser et tirer en esquivant. Ralentit le temps de 50% quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. Temps de recharge 5 secondes. Ah, on va pouvoir faire une matrix en fait. Eh bah vas-y. Ralentit pendant 2 secondes lorsque les ennemis vous détectent. Ouais, 5000 ça fait cher quand même. Système, alors, armure sous-cutanée. Augmente l'armure de 20. Toujours bien. Squelette. Os en titane. Augmente la charge limite de 20%. Moi, je suis pas convaincu. Bras. Ça, j'ai pas assez de crédit. Et jambes, j'ai pas assez de crédit. Ok. Et du coup, dans l'inventaire de la clinique du Charcudoc de Kessus Rider. Mais je vais par où en fait? Connexion, non, c'est pas ça. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bah. Bah. Yep. Non, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas comment je fais. Bon, je vais pas y passer 3 heures. Hein. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, je vois pas. Donc, du coup, on m'avait parlé d'un cyberpsycho. Ouais, alors par contre, je me rappelle plus. Non, c'est pas ça. Trouver les cyberpsychos. Ouais, non. Appeler ma maman Wells. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'appelle. Bon, on va le faire alors. Alors, hop, du coup, base de données. C'est où déjà pour appeler? Mission, exploration, fixeur, véhicule. C'est pas ça. Personnage, non. Journal. Non, je sais où quand... Journal, messagerie, c'est ça. Attends, on verra ça après. Non, c'est, je crois que c'était, ça y est. T'es pour le téléphone, exactement. Hop, Mama Wells. Bon. B, good to hear you. Finally. Been a long time since we talk. Since when Jackie passed away. Comment allez-vous? How are you doing? How you think? My son is dead, but I am hanging in there. Calling to offer my condolences. Offer your condolences? Ay, Jesucristo V. You lived under our roof. Have the decency not to treat me like some stranger you just met. I was going to call you. I prepared an ofrenda for Jaquito. We can't let him go without a proper goodbye. The ceremony will be at the Coyoteco home. Many of his friends will be there. Bah, j'y serai aussi. Say no more, Mama Wells. I'll be there. I did not doubt it for a second. C'est lui le cyberpsycho? Ahí te veo, B. Allez, bah c'est parti alors. Ah, c'est un désosseur. Я тебе сто дракали, сожру, папа!
Ah mais j'ai plus beaucoup de munitions moi par contre. Ça c'est un poil chiant. Ok, bon bah ça a été rapide. Quoi ? M'a vu. Ah ça m'a, c'est ici que ça m'a vu, d'accord. Ok, hop. Ah ils sont nombreux quand même. Par contre, on est en train de me tirer dessus là. Faut que je change d'arme. Je vais partir sur le fusil à pompe. Voilà, comme ça. Oh là! Mais c'est quoi ce robot? Oh! Pas bien. Très bien. Pour l'instant, ça se passe. Recharge. Monsieur, bonjour. Quoi? Je l'ai tué en un coup? T'es sérieux? Mais j'étais super loin. Bon bah très bien, moi ça me va. Ou non, c'était pas le cyber psycho. Très bien. On va tout récupérer, hein. Y a rien à looter dans le coin par hasard? Alors apparemment il y en a encore dans le coin. Je sais pas où exactement, mais il y en a encore dans le coin. Ah, là. Madame, bonjour. Ouh. Ça faisait mal. Plan de fabrication Busso, composant d'amélioration épique, très bien. Armure sous-cutanée et conversation archivée. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, c'est quoi le deal? Madame Sidorova, donc Sidorova, je crois que c'est celle qu'on vient de tuer. Ça fait un moment qu'on se connaît. Ouais. Venez-en en fait. Que me veut le commissaire de la police de New York, de Night City? Je ne vous écris pas en ma qualité de commissaire de police, il s'agit d'une affaire privée. Bien, et donc? Ça concerne les clochards sur le terrain du NID. Vous savez de quel terrain je parle? Celui que ce sale suceur de Scope a acheté. Mais oui, il s'agit de lui. Il est promoteur, mais oui, il s'agit de lui. Pour faire simple, ces types doivent disparaître. Vous pourriez arranger ça? On ne veut pas rendre ça officiel en passant par les canaux du NCPD. Je croyais que c'était personnel. Bien, vous pourriez arranger ça pour moi? Je vous paierai bien. Ok, on s'occupe de ces types, mais il va falloir arrêter les patrouilles le temps qu'on est sur place. Ça nous éviterait de devoir tuer aussi vos gars. Je m'en occupe. Ok, d'accord. Donc la police corrompue, comme d'habitude, hein, sick. Ah mais, il y en a encore! Il est toujours pas mort? C'est qui est coriace? Ah mais encore, putain, mais c'est blindé. Ça, par contre, tu l'as pas vu venir, hein. En même temps qu'à l'idée de se jeter sur quelqu'un qui a... Ah oui, il y en a un là. Attendez, je récupère juste ça. Posant des améliorations et des euros-dollars, très bien. Ok. Tu le cours, ok. Et... un copperhead. C'est bon? C'est quoi ça? Des euros dollars, ok.
parce que j'ai nettoyé la zone. Ai-je nettoyé la zone? Pas totalement, apparemment. Allez. Aïe. C'était pas le moment de recharger. Bah. Voilà. Ok, c'est bon. C'est réglé. Un petit flingue. Je sais pas s'ils faisaient là, mais ils étaient sur mon chemin. J'ai juste un barbuck, hein. Moi, je les ai agressés gratuitement. A priori, ils faisaient rien de mal. Mais bon. Ok. Bon. Je suis complètement perdu, je sais pas du tout où je suis ni où je vais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, on va rejoindre Mama Wells, ça. Et on terminera l'épisode là-dessus, je pense. Ouais, on terminera l'épisode là-dessus. Est-ce que je peux faire venir ma 32 mètres plus loin? Où ça? Allez, là. Allez, c'est parti. Ah. Apparemment. Encore de la baston. Comment ça crée me signaler? Non, c'est bon? Apparemment, c'est bon. Crank et lance, un briquet. Donc, apparemment, ça traficote, hein. Bijoux d'oreille. Kawara et Saga. Ah! Y'a quelqu'un qui m'a vu? Bah non, tu ne feras rien de tout ça. Mission pour fusil, très bien. Et un Satara. Ah, je suis trop lourd. Bon, dès que je croise un truc pour vendre, je vendrai. Ah bah attendez, je peux placer des trucs dans le coffre de ma voiture, c'est vrai. Et bah c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ah bah tiens, justement, il y a un dépôt vente ici. On va tout récupérer. On va regarder voir quand même si on n'a pas trouvé des choses un peu mieux que ce qu'on a. En termes de flingue, rien de mieux. En termes de fusil, alors on a le fusil... Ah bah un fusil double canon. On va garder celui-là. Et le fusil d'assaut, celui-là on le garde aussi. Et ce fusil de sniper aussi. Ok. Ah attends, fusil de précision ou fusil de... Allons voir un petit peu le fusil de précision, ce que ça donne. Oh! Oh! Très bien. Eh ben ça je garde. Hein. Ça je garde. Alors, donc on a dit. Celui-là, ça on garde, ça on garde. Ça, le fusil de sniper on garde aussi. Le double canon on garde. Ça on garde. Ça on vend. On vend. Ah merde, le fusil de... non c'est bon. J'ai pas fait de bêtises, encore heureux, voilà. Et par contre, en termes de... Ouais, je commence à avoir beaucoup de couteaux. Alors, 272, pour l'instant ça c'est le meilleur, 69, 58, 64, 50, ok, 272, ça c'est mieux. On va pouvoir vendre le reste. Voilà.
Non. Alors, en termes de vêtements, rien ici. Non, rien d'intéressant là. 13.5 d'armure, non, ça ne m'intéresse pas. Là, rien de nouveau. Ici, un peu plus d'armure. Loose fit composite à double tissage. Mouais. Voyons voir un peu ce que ça donne. Bah écoute, pourquoi pas, j'ai l'air d'un clodo, mais pourquoi pas. Ok, et donc du coup, on va vendre le reste. Alors, hop. Et voilà, on a vendu tout ce qu'on avait à vendre, 115 sur 200. Je suis quand même assez lourd, je trouve. Terre. Sac. Alors, attends, voyons voir. Arme à distance. J'ai un fusil double canon, un fusil à pompe, fusil sniper, fusil d'assaut. Deux pistolets. Ouais, donc ça va, je suis pas trop chargé là-dessus. Ça, ça pèse rien du tout, on est d'accord. Ah, le matériel cybernétique pèse un petit peu. Ça, d'accord. Ah, et ça, ça pèse aussi. Oui, j'ai 25 grenades IUM. Forcément que ça pèse. Et j'ai 51 grenades à fragmentation. Bon, on va les vendre. Voilà, c'est ce qui me... Ah, hop. On va en vendre 12 ou 16. Allez, vas-y, confirmer. De toute façon, je les utilise jamais. Voilà. Effectivement, ça pèse lourd, tout ça. Tout ça, ça ne pèse rien. Ça, c'est quoi? Ok, bon bah ça, c'est des modules. Et vendre à Camelot, oui, ça va quand même. Pour 1500, on confirme. Là, je suis à combien de... 94 sur 205, là, ça va. Et on va enfin chez Memowells quand même, parce qu'il y a un moment où... faut y aller. Quoi? Ça va, on se calme. Je suis un peu passé sur le trottoir. Putain, les gens, ils sont ici, ils sont tendus du string. C'est pas possible. Oh, par contre, 3 km, ça va être long. Hein. Ah bah attends. Hop. Sectionner une destination. Ah ah. Alors déjà, je peux aller jusqu'à la tour Arasaka. Allez, MLK et Brandon, je serai déjà plus proche. Un petit voyage rapide. Quoi? Since we're gonna work together, only right to say hello. They call me El Capitan. And they call you... See, no introduction's necessary. I already took care of that. Someone comes to me with biz, I take care of it. I eat, sleep, and breathe biz. Remember that. Aye, aye, Captain. While we're at it, need fresh wheels, bikes? I got it all. Real good prices. Bon, encore des missions. On en a une quantité de missions, c'est terrible. Moi qui suis un petit peu complétionniste... Quoi, encore? I'm Sebastian Ibarra. They call me Potter. Hey, nice to meet you. I like people who understand value and respect. We'll be in touch. Bon, l'intervention de police, là, je vais pas la faire. On a des missions toutes les 5 secondes, c'est terrible. Allez, on y est presque. Encore une nouvelle mission. Putain, mais c'est terrible! Désolé, c'était pas complètement maîtrisé.
Soria. Really? He's pretty massive. So maybe we scooch it, put it up against the wall. I'm a Wells. V. Nice to see you. Roger, sit. Sit. You want a beer? Okay. Wouldn't mind one. Oui. Salut. Merci. Ouh, ça c'est de la bière, c'est de la bière bonne taille. How you been? J'ai connu mieux. Been better, to tell you the truth. What is happening? At night, when Jackie fell. Let's just say things haven't exactly been easy since. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. I am in the middle of preparing an ofrenda. There is still so much to take care of. Alors, déjà, c'est quoi exactement une ofrenda? Ofrenda? What's that exactly? Friends and family. We gather to celebrate the departed, our memories of them. And we bring things they loved in life and might need. Genre, sure some beer'd be at the top of Jackie's list. Voilà, c'est ça. And there will be beer. Could help you with that. Gracias, mi cielo. But I will manage. It's enough you come to say goodbye. Ok, je vais participer à la cérémonie. I wanted to take part in the ceremony, but I want to do it the right way, in line with tradition. Mm-hmm. But something I'd lay by his casket, that'd do justice to his memory, I don't got anything. But your heart is in the right place, mi niño. Don't worry. He's symbolic. Look for something in his garage. His past is all there. Jackie had a garage? He used it for his motorcycle, mostly. But not so long ago he moved in. You'll find something there, I'm sure. Oh, je suis sûr qu'on va trouver des trucs intéressants. Non, mijo. He's gone and funerals are for the living, not the dead. Toma, take the key. Ben, merci. Thanks, Mama Wells. Ah, don't mention it, V. You have respect. I admire that. The garage is on Republic. Très bien. Ok. Bah écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Lors du prochain épisode, on terminera cette quête là où on veut aller au garage de Jackie. Mais c'est pas possible, arrêtez de me mettre des missions toutes les 30 secondes. Je fais 3 pas, vous me mettez une mission. Ah! Alors, ça, c'est que je trouve que c'est un petit peu. Comment dire? Moyen sur le jeu. C'est-à-dire qu'on a des missions qui déboulent comme ça, juste parce qu'on a marché dans une zone. Et autant qu'il y en ait une ou deux, ou qu'on arrive dans une zone, on reçoive un coup de fil. Mais à aucun moment, il y a de contact réel. C'est-à-dire que. Oui, on arrive dans une nouvelle zone, il faudrait que le fixeur de la zone nous appelle, qu'on ait rendez-vous avec lui, qu'on aille le voir, et qu'ensuite il nous propose des jobs. Là, c'est trop artificiel pour moi. Enfin bref, ça reste quand même, je passe quand même des bons moments sur le jeu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est un petit reproche que j'ai sur le jeu. Bref, en attendant, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis salut, bye bye!